Salut les gars, c'est Mika pour la nouvelle chaîne Mika Cranbait. Salut à tous, PH2O, l'heure de la truite. Bon ben voilà, on a fait une petite session en commun aujourd'hui. Donc on a attaqué un petit ruisseau en Auvergne vers chez moi ce matin et ça a été très compliqué, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Et ben Philippe il a loupé deux truites, une qui devait faire la maille je pense. Deux décrochés, ouais. Une un peu plus petite, il a fait deux petits chevennes. T'as eu quoi, quelques petits suivis, mais... Ouais, petits suivis, mais c'est léger, quoi. C'est léger, ouais. C'était limite, quoi. Et moi, rien du tout. Alors là, je me suis baladé. J'ai baladé ma canne, mes leurres, ce matin, c'est tout ce que j'ai fait. Et du coup, on a fait le petit casse-croûte à midi, bien sympa. Puis on a dit, allez, on change vraiment de rivière. On a changé de bassin versant. On est parti à 30 km. Et là, on a trouvé une petite rivière que je connaissais où, voilà, il n'y a que de la truite. Et bon, c'est un petit peu donné. Moi, j'en ai fait 5-6. T'en as fait 3 toi? Ouais, j'ai dû faire 3 et décrocher une ou deux. Pareil, moi j'avais décroché une ou deux. On a eu des tapes, on a eu des suivis. T'en as fait des plus jolies quand même. Ouais, des machines de 20, 21, voire peut-être 23 la plus grosse. Ouais, mais vraiment très jolie robe. Là c'est vrai, des très belles truites sur cette rivière. Une petite truite. En fait, on a fait beaucoup de petites au démarrage et puis on est arrivé sur un secteur. C'est vrai, 2-3 coups d'affilée, on a fait 2-3 belles. Après, plus rien, on en a refait. Voilà, c'est très compliqué. Je pense que l'activité est. Et basse, il y a quelques insectes pourtant, mais là les eaux sont très froides, pourtant on est bientôt au mois de juin. Hein. Et je sais pas si ça vient de la lune, du temps, du vent, c'est bizarre. D'habitude dans cette saison ça donne vrai mieux. Que normalement, même les plus grosses ça sort un peu davantage, mais c'est vrai qu'on touche beaucoup de petites. C'est tout ou rien, soit c'est des petites, soit c'est des belles. Voilà. C'est quand même de la petite sauvage donc c'est. Ouais, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est une bonne rencontre qu'on a fait là tous les deux aujourd'hui. Bon moment, bien rigolé, et puis voilà. Ouais, et puis là on va dire que c'était le match pour moi à domicile. Et puis dans quelques temps, on fera le match, voilà, à l'extérieur. On fera le match retour à l'extérieur. Avec Philippe, je ne sais pas où on pêchera, on verra. Peut-être la truite, le carnassier, suivant l'humeur, le temps. Une petite rivière sympa. Et puis, on verra. Et puis voilà, ce sera le match retour. Quoi. Ça marche. Bon, ben les gars, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et puis un gros petit pouce bleu. Allez les gars, gardez la pêche. Ouais, à bientôt, ciao. Ah, il y a 20 cm d'eau, elles sont là. Ah, ça y est? Ah, une truite là? Oh putain! C'est une truite. Tout est petit. Ouais, j'ai quoi, 19, 20? Ouais, c'est à peine. Ouais. Et dans le courant? On est au milieu. Sorti de courant de la côte. Putain, ça a faim. Ah, je vais essayer d'un petit coup en face. Fais le courant si tu veux. La petite pointe là. Ah. On est avec les polarisantes. Et ah, tu vois, je t'ai dit un peu de courant. Ah, super. Où je l'avais dit qu'elle était. Ah, oh, putain, mais. Ouais. Bon après, il n'y a pas beaucoup d'eau, on va bien se décrocher. Tiens, poisson. Je l'ai vu sortir. Hein. Est-ce que c'est la première de la journée quand même? Ah oui, c'est la première de la journée. J'ai peur. Ouais, c'est un lézard. Ah. Petit sauvage. Bien joué Mika. Superbe. Wouh. Ah bordel! Ouais, oh, punaise, depuis ce matin qu'on les loupe! Hein? Putain, quand même, une belle petite sauvage! Ah, pas nickel! Ah, sans chaud de jeu! Belle couleur! Ouais! Magnifique! Belle couleur! Pas grosse, mais. Tac! Ah, j'arrive! Tu l'as relâché? À la caméra. Ah, c'est pas gros. Hein. Ouais, tiens, vas-y, monte là un petit peu, c'est vers moi. Bon, un peu plus, ça fait 12-13. Ouais, ouais, elle est jolie. C'est une belle couleur. C'est que de la repos naturelle là, ici. Hein. Ah, super. Ouais. Ah, bah, c'est la première de la journée, enfin, que tu sors. Ouais, parce que deux crochets de chapin, ça a été plus joli. Poisson. Oh là là. Et c'est pas vilain.
C'est un peu plus gros que ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Ouais, si j'arrive à la ramener. Oui, elle est plus belle déjà celle-là. Ah, ah oui. Elle a pris direct. Celle-là. Ouais, mais de toute façon, en général, tu vois, toutes celles qu'on touche, c'est pratiquement au premier ou au deuxième passage. Hein. Ouais, la première, moi, elle est passée. Oui, remarque. Je l'ai pris après toi. Hein. C'est, ouais. Elle a du jus. Oui. Oh, ça doit faire 20, hein, pas loin. Hein. Ouais. Elle est magnifique, elle est belle nageoire. Merci. Oh, elle est très jolie. Je voulais allonger là-bas dans le courant, mais. Ah, j'ai allongé. Hein. Tiens, poisson. Plus grosse que celle que tu viens de décrocher, je crois. À ouais. Peine plus grosse. Ouais, elle a le dos noir. Hein. J'ai cru qu'elle s'était décrochée dans l'épuisette. Elle est noire. Hein. Ouais. Belle couleur encore. C'est pas gros, mais c'est magnifique. Oh, joli. Elles sont magnifiques. Hein. Ils sont vraiment des robes. Okay. Vraiment. Pour jeter cette arme là, c'est merveilleux. Ouais, mais je voulais jeter plus loin. Tiens, le poisson. Ouais. Ah ouais. Elle tourne avec la cuillère, mais. Oh putain, c'est. Ça vaut, ouais. Ça vaut le coup de sortir l'épuisette. Ah, celle-là, hein. Oui, elle valait bien le coup. Ouais, mais c'est magnifique. Ouais, pardon, c'est joli. Regarde, c'est vraiment de la petite, voilà, de la petite sauvage. Ça fait 10 cm, c'est magnifique. C'est pas gros. C'est, hein. Joli. Bon alors. Non, puis tu dis court. Mais moi c'est ça qu'il me fallait pour que j'attrape des truites, t'as vu? Ça suffit, ça suffit. Ah ouais, ça suffit. Regarde. Ah ouais, c'est incroyable. T'as vu comment elle repart?